Le président Jacques Yabula Katwe est venu au stade Gaëtan Kakoudji ce lundi après-midi pour accompagner et encourager les joueurs du football club Saint-Éloi-Loupopo avant leur départ pour affronter l'ASV Club dans le cadre de la Vodacom Ligue 1 au stade de Martyrs de Kinshasa. Il s'agit d'une véritable tradition pour le patron du club jaune et bleu qui est coutumier du fait avant les grands rendez-vous. Conscient de l'enjeu, le boss a exhorté les athlètes à déployer toute leur énergie pour remporter la victoire. Je vous félicite d'abord pour la bataille que vous avez livrée pour remporter trois de ce match. Félicitations pour ça. Donc le match de ce jeudi, pour moi, c'est un grand match. Et c'est le plus grand match, il faut dire. C'est vrai qu'il n'y a pas de petits matchs et de grands matchs. Ces championnats nous réservent tant de surprises. Les petites équipes tiennent les grandes équipes en échec. Mais les choses se montrent clairement que nous devons battre les clubs pour espérer être premier du championnat. Et c'est possible de gagner les clubs parce que la saison passée, nous l'avons gagné. Et donc cette année aussi, c'est possible. Le moyen que nous mettons à votre disposition, c'est pour juste vous stimuler et mettre votre conscience en place. Je voudrais que le match de jeudi, vous puissiez jouer avec détermination, comme vous l'avez toujours fait, et que nous puissions gagner ce match. Vous ne méritez pas la troisième place comme la saison passée, vous méritez la première place. Un message limpide est bien assimilé par les coéquipiers du capitaine Patou Kabangou. Tous les gens ont coupé cette équipe à victoire parce que l'équipe est dépassée pour Nabissopé. Donc, c'est un match où tu es là, tu joues vraiment, tu as constaté dans le match, tu as vu que c'est pourtant ce match. Donc, nous avons bien aimé ça. L'équipe quitte Lubumbashi aux premières heures de ce mardi 13 décembre 2022 pour Kinshasa, où elle va enchaîner une série de rencontres avec l'objectif de conquérir la tête du classement.